Personne ne met bien. Ok, eux ils envoient des. Ils envoient les unités en mode YOLO. Oh là, on est plus très loin du prince démon. Hein. Prince insensé du chaos, efficace contre toutes les unités. Super! Oh non, j'ai perdu mon. Donc la grosse base est ici. J'ai perdu mon serviteur. Ah la race. Oui, très bienveillant. Faut que j'envoie ici. Je ferai ce que vous demandez. À vos ordres. En mouvement. Du coup. Donc là, faut que j'en reconstruise un. Faire ça tout de suite aussi. Alors, ensuite. Ça, c'est capturé, mais j'ai pas encore d'avant-poste dessus. Où est-ce que j'ai les serviteurs? Est-ce que j'ai le serviteur qui se balade quelque part? C'est lui. Lui, ça risque d'être un peu chaud du boudin. Nous sommes les élus de l'empereur. Ouais, à côté, là, je suis sur les trucs qui sont juste à côté de la base, donc... c'est un peu compliqué. J'aimerais qu'ils aillent par là. Genre, améliorer ça. Faire une autre tourelle, parce qu'à mon avis, là, on est sur des points qui sont quand même assez avancés. Toujours vigilant. On va essayer d'avoir le point du milieu. Restez vigilant, frère. On est sous le feu. Ça, ça nous va bien. On prend et on tient. On capture ça. Ok. Jean-Jacques est arrivé. C'est cool. Ah oui, il y a un... Ok, il y a un point de spawn ici. Je comprends. Pas de soucis. Oui, c'est bon. On subit des dégâts. Pas d'amélioration là. Hop. Oui, Seigneur. Il va réparer ça. Mais globalement, ça nous met bien. Ok. Donc, ça, c'est à nous. Je suis là pour servir. Je peux enfin emmener un gars là. Celui qui viendra avec moi sera mon frère. Nous sommes unis à son service. Ça devrait nous mettre pas mal. Amélioration de ça, construction de serviteurs, on sait jamais, ça peut servir. J'attends vos instructions. Là, du coup, je peux faire des Lamb Raiders. C'est ce qu'on veut. Je suis là pour servir. Ici, je peux maintenant faire. Ah, il me faut 250. C'est bon, je les ai. Je peux faire ça. Je ferai ce que ce qui va me permettre d'envoyer des gens partout sur la map. Et ça, c'est cool. Faut faire des réparations de temps en temps, mais c'est cool. C'est cool. Quelle est votre volonté? Je suis là pour servir. Ok. Nous sommes les élus de l'empereur. J'essaie de comprendre. D'accord, on a un autre point de spawn par là. Puis après, ça monte par ici pour aller là. Et on arrive sur la base. Ok. Alors, on va être dans la phase un peu plus pex, je pense. J'attends vos instructions. J'obéirai. Il a construit ce qu'il fallait ou réparé ce qu'il fallait. Il ne peut y avoir de paix tant que respirent les ennemis de l'empereur. On subit des dégâts. Je pexe le plus vite possible. Ça va tenir, ça. Je suis pas inquiet. Voyons voir ce qu'il y a par ici. On tient, y'a pas de soucis. Ma visée restera ferme. Passe roquette. Confirmé, foi et devoir. On va récupérer ça. Nous sommes ici, j'ai juste un petit truc à faire ici, c'est cool. Ok, là ils sont en train de conquérir les potes. En attente d'ordre. Pas de conquérir les potes, non. Ils ont plus rien. Là, c'est la fin. C'est la fin des potes. Sauf si j'arrive à mettre des unités potes. Je suis prêt pour les aider. Une fois encore.
On va tenter. Hein. Menez-moi. Mais je promets rien. J'attends vos instructions. Initialisation de protocole de construction. En route. Parce qu'ils sont quand même nombreux là. Donc quoi, ils ont 2-3 escouades. Avec moi, mes frères. Identification des cibles. Là, ils perdent leur capture. Écraser ceux qui se battent. L'avantage, c'est que je les ai dans le dos là. J'ai longtemps attendu. Par contre, que les alliés se défendent un peu quoi. Donc, il y en a qui est bugué là qui bouge plus. Défendez-vous un minimum. Je vais te tuer. J'ai entendu, je vais te... Avec moi, avec mon Dreadnoughts, là, je fais le ménage. Je vais purger la ok, pure. J'ai l'impression qu'on a protégé les potes. En route. Ok, donc ça, c'est avec allié. Moi, mes frères. Ça, c'est devenu neutre. Selon sa parole. Tire puissant sur nous. On va capturer ce point-là. Mes frères. Menez-moi au combat. Toujours vigilant. Voilà. Capturons ça, comme ça je pourrais leur faire des protections. Ici ils ont l'air d'avoir tenu, ma c'est cool, GG. On rajoute juste le mec qui manque ici. Oui, seigneur. Et lui il peut aller nous faire ça. Avec par contre, celui qui viendra avec moi sera assez mon frère. Rapidement, va falloir que j'aille vérifier s'il n'y a pas des ennemis sur les deux points de vue. À son service. Deux points de l'ouest. Tire puissant entendu. Sur nous. Ok, là y'a rien. Je sers l'humanité. On est sous le feu. Ok, là y'a pas eu de soucis. Là ça a l'air d'aller aussi. Objectif okay. Atteint. On est bon. Ma visée on est bon. Restera ferme. Lance roquette, ça va vite aller. Faites ce truc là. Excellent. Objectif noté. Et ça, ça se fait atomiser. Donc je sais pas s'il a un point de spawn à côté ou quoi, mais on va. Ça rapidement. Lui construit là, c'est cool. Je suis là pour servir. Même pouvoir faire l'amélioration là, ça va nous mettre bien. Il y a l'air d'y avoir des bâtiments par là. Hein. Je crois qu'on les pète. Ici, transport bleu, Land Raider. Land Raider. Arriver sur la cible. On va leur dire d'aller là. Je pas... L'avantage des Land Raiders, c'est qu'ils sont suffisamment puissants pour que je sois pas inquiet sur leur déplacement ou quoi. Objectif. Juste à leur permettre d'aller un peu partout. C'est bon quoi. J'attends vos instructions. Petite réparation, pas de soucis, je suis pas inquiet. Oui, c'est bon. Toi, je sais pas trop, on va t'envoyer finalement. Je crois qu'on va t'envoyer là. Parce que toi, on va t'envoyer oui, là. Oui, Seigneur. Initialisation de protocole de construction. Voilà, comme ça on va pouvoir protéger les potes. Tant qu'ils se remettent un peu sur l'économie, là on a Chanteur de Moelle, une unité de construction qui est présente. Ce serait bien qu'ils se mettent un peu au travail par contre. Aujourd'hui, ça c'est capturé ? L'ennemi c'est capturé. Connaîtra la peur. Land Raider déployé. Bien joué. Ici, transport blindé, Land Raider. Ce Land Raider là. L'ennemi attaque. Ça va bien se passer, j'ai mes Land Raider. Ce Land Raider là, sachant que ça c'est quoi, ce point de spawn... Je sais pas trop où le mettre. Là j'ai mes trucs par rapport à ce point de spawn là. Ici j'ai lui, ici. Arrivé sur la cible. Lui il arrive un peu sur le champ de bataille là. Je suis là pour servir. Je ferai ce que vous demandez. Voilà, donc ça c'est point de spawn. Mais là il y a un chemin, je pense. Potentiellement. Ok. Donc là je peux faire du Dreadnoughts et des escouades que je peux balancer un peu partout. Ça c'est cool. Je vais faire un Dreadnoughts d'ailleurs. 17 sur 20, donc je peux en faire encore un. Prenez garde aux ils ont l'air d'avoir pété leur, leur bâtiment, rétif. Félicitations. Oui, très bienveillant. Toi, je t'améliore, au cas où. On est sous surtout pour un cas de point de spawn, mais. Alors, s'il y a vraiment besoin. Tire puissant sur nous.
j'ai des troupes attaquées un peu partout. Là, tout va bien. Ça, pas de problème. Là, quand on répare, on est bien. Là, il n'y a pas eu de problème. Et ça, c'est construit. J'attends vos instructions. Ça, c'est construit. Est-ce que je peux me faire... Je suis l'instrument de sa volonté. Ok. Dans la tourmente de la bataille, on subit des tirs. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Début de l'attaque. Ok, il faudra que je fasse une autre tourelle en vrai ici. Oui, Seigneur. Je suis là pour servir. C'était où? C'était là. Avec vous de la hache. Je suis l'instrument de sa volonté. En avant! Vers la gloire! Ça, ça sonne bien. Enfin de retour au combat. J'y serai bientôt. Ok, vous. On est d'accord que vous avez plus de bâtiment là. Pour l'empereur. Bon. Si, il y a encore des gars. Suivez-moi à mon ordre. Il a arrêté de s'en occuper, mais il y a encore des gars. Pour l'empereur. On va lui péter tous les générateurs là. Il s'est fait en tout cas générateur. Ma visée. C'est saligo. Pendant ce temps, lui, il a fini. Oui, félicitations. On va pouvoir capturer ça aussi. On subit des dégâts. C'est des dégâts. Mais non, c'est des bâtiments. On va bien. On est sous feu. Ah si, il y avait des petits serviteurs là qui se battaient. Oui, très bien d'ailleurs. Là, ça va surtout être faire de la défense statique. Oui, très bien d'ailleurs. Pour les points de spawn et derrière on va pouvoir commencer l'assaut. Ma foi et mon bouclier. Nous ne là, connaîtrons pas la peur. Ça déjà. On subit des tirs. Ça lui a mis un coup. Foi et devoir. Foi et devoir. Bon, ça m'a l'air pas mal là. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ici on fait des fortifications. Entendu. Je suis là pour servir. Ici, il faut qu'on protège un peu. Avec vous de la hâte requise. Je suis l'instrument de sa volonté. Petit à petit, ici. La peur empêche la foi. J'ai une escouade qui se balade. Conservez la formation d'attaque. Tranquille. En avant. Vers la gloire. L'ennemi attaque. Péter tous ces trucs. Nettoyer, purger, tuer. Ah, parce qu'ici il y a un point de spawn. Ordre reçu. Ressentez notre colère. En avant. Oui, vers la gloire. Initialisation. On protège celui-là. Ici, transport blindé, Lord Raider. Lord Raider. Lord Raider, à votre disposition. Vous allez aller avec les autres. Et on va tenter un assaut. Voilà, lui il veut protéger tout ça. Là on est j'attends bien. Vos instructions. Je suis là pour servir. Un peu. J'obéirai. Oui, Seigneur. Voilà, ça répare. C'est cool. Ok, alors. Non, c'est pas lui que je voulais. Nous sommes les élus de l'empereur. Voilà. On va ouvrir avec les Land Raiders et le Dreadnoughts. La mort est là. La vie est toujours vigilante. Personne ne nous arrêtera. Nous sommes les élus de l'empereur. Je suis prêt à servir une fois encore. C'est pas mal. Auto-sauvegarde. En attaque.
Et ici, il attaque là. Ça va tenir, ça va tenir. Bon, Land Raider est là, il tient le coup. Esprit de la machine. Là, ça tire, on est cool. Go sur eux. Un menace de perte ici, donc ça va se faire rien. Tant pis. J'arrive à battre le démon là. Que ce soit lui qui prenne l'aggro. Esprit de la machine. Ça augmente les dégâts ou pas, esprit de la machine? Résister aux dégâts pendant une brève période. C'est juste de la résistance. On va y arriver, je pense. On va tout de suite en faire un autre, par contre. Au cas où. Et vous, vous allez y aller maintenant. Lance-roquette. Allez, boum. Visiblement, ça le fait rire. Ah, bon. On a réussi. On l'a défoncé. Humain, on a protégé les potes. Vous allez tous nous condamner. Ignorez-la, capitaine. Détruisez la pierre avant qu'elle emmène d'autres à la ruine. Vous ne savez pas ce que vous faites. Nous devons l'empêcher. Abattez cet humain. Ah, oula. Idiot, vous nous avez tous perdus. Bien joué, capitaine. Dépêchons-nous, mes frères. La flotte est sur le point de partir en nous laissant ici. Je suis libre. Ah. Je te remercie. Montre-toi, démon. Oui, bientôt. D'ici là, va. Et annonce que je suis de retour. Je ne suis pas ton héros, oh là rejeton là. Du warp. Vraiment, c'est toi qui m'as libéré. Non, j'ai détruit la pierre. Oui, et si tu l'avais fait plus tôt, tu aurais pu me vaincre. À la place, tu as contribué à ma libération par chaque sacrifice. Sacrifice? Quel sacrifice? Cette planète était un autel humain au dieu du Sangorm. Sindri a monté l'invasion des orques en sachant que les Space Marines viendraient s'occuper d'eux. Chaque mort a été un sacrifice pour ma libération. Et je dois dire que tes contributions ont été nombreuses et superbes. Ils adorent Baal et enfin Sindri lui-même. Sans autant d'offrandes, je serais resté piégé. Je t'en remercie. Et je vais t'épargner... pour l'instant. Oui, fuyez! Et sachez que je viendrai bientôt tous vous chercher! Alors viens, ton jugement t'attend. Tu n'as échappé à la captivité que pour rencontrer l'anéantissement. Je te connais maintenant. Bon, on conserve notre fierté de soldat de l'Empereur.
Mais on a quand même grave merdé. C'était un peu la fin du monde. Mais à noter que tout ça ne se serait pas passé si pour une fois on avait écouté le peuple gardien des forces du chaos, quoi. Genre, je veux dire, il y a des gars, ils sont là depuis 150 millions d'années pour protéger le monde contre les démons. On pourrait peut-être échanger les informations, non? Oh là là. Ah! Ah, donc ça, c'est la fin. Genre, le... Félicitations, vous avez lâché le démon sur le monde. Tout va bien. Très bien. Et bah, ma foi... Encore un manque de communication entre des troupes qui devraient être alliées depuis longtemps. On n'en serait pas là si on n'avait pas l'ego qui prenait une place aussi importante, hein, clairement. Oh, c'est Jeremy Saul qui fait la musique. Jeremy Saul, si je me trompe pas, Jeremy Saul. Jeremy Saul, c'est... Ah, j'hésite entre deux, je sais plus exactement. Je sais que c'est un nom que je connais. C'est soit The Elder Scrolls, soit Guild Wars. Je crois que c'est The Elder Scrolls. Il me semble. Regardez chez vous, Jeremy Saul, sur Internet. Normalement, il a une discographie qui va au-delà de cette série. De Warhammer. Enfin, de Dawn of War. En tout cas, ouais, très sympathique et... On va pas se mentir, on sait très bien qu'il y a d'autres Dawn of War avant le 2, hein. On a eu le temps de les voir venir. Je sais plus de quand date ce jeu, je crois que c'est début des années 2000. Donc bon. Mais avant Dawn of War 2, il y a 4 Dawn of War 1, globalement. Il y a une extension sur ce Dawn of War qui s'appelle Winter Assault. Si j'ai bien compris, hein, parce que comme dit, moi je suis pas un accoutumé de la série. Mais j'ai essayé de me renseigner un petit peu, parce que vu que j'ai les 4 Dawn of War 1, je voulais savoir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, dans quel ordre. Donc normalement on a Winter Assault, après on a... Alors j'ai que le début des noms là, parce que Steam coupe au bout d'un moment, il met des pointillés, mais je crois que c'est Dark Crusade, un truc comme ça. Et après il y a Soul quelque chose. Et par contre les deux derniers là, Dark Bidule et Soul machin, c'est des standalone apparemment. Winter Assault est le seul qui est une extension à proprement parler, où il faut avoir installé le jeu de base. Donc du coup, je vais pas enlever ma sauvegarde du jeu de base et puis l'utiliser pour Winter Assault. Mais vu que Soul Calibur 6 est arrivé, je vais plutôt passer sur Soul Calibur, je pense. Profiter du fait qu'on est à la fin d'une campagne et qu'on va recommencer une autre par la suite pour faire une pause dessus et passer sur l'autre jeu que je voulais faire. Sachant aussi que j'espère, je compte, sans le savoir, si c'est vraiment le cas ou pas, sur le fait que Winter Assault, malgré que ce soit une extension, reprenne les bases dans sa campagne, histoire que ce soit pas trop difficile, même si je trouve que honnêtement, on s'est beaucoup mieux débrouillé sur la fin de la campagne que à son début slash milieu, alors que la difficulté des missions est censée être plus élevée. Donc je pense qu'on a pris un minimum en main ce Dawn of War au fur et à mesure de la campagne, et j'en suis extrêmement content, parce que là, on est d'accord que j'ai que Dawn of War, j'ai pas Winter Assault dedans. Donc on va voir, je vais voir en essayant de lancer Winter Assault depuis Steam. Du moins c'est ce que j'essaierai une fois que je serai passé sur Soul Calibur. Et au cas où, je vais pas enlever ma sauvegarde du premier Dawn of War là, de celui qu'on vient de terminer. Au cas où on a besoin de l'avoir pour lancer Winter Assault, on sait jamais. En tout cas j'espère que ce Warhammer 40 000 Dawn of War, premier jeu des Warhammer 40 000 qu'on fait sur la chaîne, premier jeu de la série des Dawn of War qu'on fait également, et premier jeu de la série des Dawn of War tout court, hein, il me semble, vous a plu. On était sur la Game of the Year Edition, si jamais ça vous intéresse de le savoir. Et on se retrouve pour d'autres aventures, dès que possible. D'ici là, comme à l'accoutumée, portez-vous au mieux. Bye.